Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler VPN et surtout, on va parler pourquoi j'ai changé de VPN. XVPN m'a contacté en me disant « Oh, un nouveau VPN, vous allez voir, nous, on a plus de trucs que les autres, ou plutôt différents, ou plutôt peut-être plus adaptés à ce que je recherche. » C'est-à-dire que bah, sur Internet, ça a bien changé. Hein. On est traqué de partout, on veut savoir, il y a des trucs sur lesquels j'ai pas accès, des trucs que je pourrais avoir accès, mais je peux pas parce que je suis dans certains pays et tout. Et je me suis dit, quand on me propose des serveurs avec spécialement, par exemple, pour le jeu, pour le streaming, 14 protocoles pour le VPN, je me dis, ça peut être plutôt intéressant. Il faut voir. Et surtout, il faut essayer, puisque bah, on verra que c'est complètement différent. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech bah, au smartphone. Et comme à chaque fois, tu peux gagner un chèque cadeau Amazon en laissant un commentaire directement dans la description. Voilà, tu vas en bas de la vidéo, tu mets XVPN dans ton commentaire, tu participes automatiquement à mon giveaway. Le dimanche, je fais un random, je choisis le gagnant, je lui réponds, il m'envoie son mail, j'envoie son mail Amazon et Amazon lui envoie un chèque cadeau. Ça fait plutôt plaisir et c'est facile, il suffit de mettre un commentaire avec XVPN dedans. Est-ce que Internet va pas un peu plus vite que nous? C'est un peu le problème, hein. C'est que bah, on se rend pas bien compte, c'est que l'Internet des années 2000 n'est pas du tout le même Internet que les 2024. Voilà. On se fait hacker, pirater, on se fait hameçonner, comme on peut dire, on essaie de prendre nos données, on veut savoir un peu ce qu'on fait, on nous donne pas accès à certaines choses alors qu'on pourrait les avoir. Et on se dit, ouais, c'est vrai qu'un VPN, ça peut servir pour pas mal d'utilisations qu'on va voir un peu tous ensemble. Bon, je te rappelle vite fait ce qu'est un VPN. C'est un serveur dans un pays. Par exemple, moi, j'habite en Asie, ils ont des serveurs en France. Je me connecte sur ce serveur. Et donc, du coup, quand je vais sur Internet, ils ne me voient pas moi, ils voient le serveur. Donc, ils voient l'adresse IP du serveur et ils voient directement les informations qui sont envoyées par le serveur. C'est-à-dire pas bien grand-chose. À savoir qu'en plus, bah, comme ça passe par un serveur qui est dédié à ça, c'est encrypté, c'est protégé. Et on verra qu'en plus, il peut y avoir des protocoles et qu'en plus, bah, celui-là, il est bien chargé. Bon, première chose, plus de 8000 serveurs dans le monde entier. Bon, bah, c'est-à-dire qu'on va les croire sur parole. Mais quand tu vas, par exemple, dans l'application, tu mets All Location, ici, tu as bien tous les serveurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu auras vu, c'est que, par exemple, pas sur certains serveurs, les États-Unis, quand tu cliques dessus, tu peux choisir la ville. Oui, non, mais si on te dit vraiment, il faut que tu te connectes à... Alors, ça arrive des fois pour certains concerts ou certains matchs où il faut être dans la ville pour pouvoir... Enfin, vous me direz si vous avez eu l'occasion, mais ça peut être intéressant. Encore une fois, vous pouvez également mettre, moi j'ai mis dans les recommandés, donc moi c'est France, bien sûr, les États-Unis pour certains films, on en parlera tout à l'heure, le Japon, regardez les mangas, bien sûr, et la France, puisque bah, j'habite en France, mais même si tu habites en France, tu peux te mettre sur un serveur en France, et comme ça, c'est pas ton IP qui va sur les autres sites et tout, c'est l'IP de ce serveur. Donc quand il remonte, eh ben, il remonte jusqu'au serveur. Ça, c'est quand même bien aussi. Bon, comment ça fonctionne? Tu mets par exemple France, tu te connectes dessus, ok. Et là, automatiquement, on attend que la petite boucle se fasse. Bim, badaboum, hop, je suis connecté en France. Le truc intéressant, c'est que tu auras vu, c'est que ah, ici, bon, on a la location, ok, pas mal. On va revenir sur notre serveur. À droite, on a la possibilité directement de changer les protocoles parmi tous ceux qui sont disponibles. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Bon, par exemple, grâce à ton adresse IP, là où tu te connectes, les gens, ils ont tout. On se dit, oui, mais l'adresse IP, pas trop. Non, non, l'adresse IP, non, adresse, adresse, fournisseur, t'as le système d'exploitation, ton ordinateur, parce que tu peux avoir le CPU et tout, voilà. Donc là, actuellement, bah, je suis connecté en France, que personne ne doute, bien évidemment. Donc voilà, j'ai mis en France, ici. Bon, par exemple, si on va dans All Location, ici, et qu'on change, et qu'on met notre serveur aux États-Unis, par exemple, on rafraîchit, hop là, et là, automatiquement, ça a changé. Donc là, pour Internet, ou le site sur lequel je vais, qui veut savoir qui je suis, d'où je viens, et ce que je viens faire ici, je suis aux États-Unis, United States, les cookies, alors là, ça a vachement... Alors, il sait que je suis sur Mac, encore une fois, il sait que j'utilise un ordinateur avec la langue française, voilà, il a quand même déjà pas mal d'informations sur moi. Mais non, c'est pas moi, c'est le serveur. Bon, remettons-nous en France, même si je suis en France, je me connecte en France, bien évidemment. Ok, ils ont des serveurs également, vous l'aurez vu ici, ils ont des serveurs dédiés pour le jeu. Et quand on va tout en haut, ils ont des serveurs dédiés pour PUBG, par exemple pour BGMI, je ne sais même pas ce que c'est, et Roblox, j'en ai entendu parler, mais je ne suis pas un gamer. Mais par exemple, quoi de plus contraignant de se dire, oui, bah alors pour jouer à ça, pour jouer avec par exemple les Américains, il faudrait que je me connecte sur un serveur États-Unis et tout, et puis d'avoir un ping qui est pas bon et un temps de latence qui est mauvais. Voilà. Donc là, en fait, bah, ils vous proposent d'avoir directement des serveurs qui sont dédié
encore une fois, pour les jeux vidéo, donc ça permet de réduire le ping, toujours rester en sécurité, bah, comme ça on sait pas que c'est toi, et c'est filtré et tout, et, ça, et surtout d'avoir des jeux plus rapides. Est-ce que tu deviendras meilleur au jeu? Non, mais ça va vachement améliorer pas mal de choses. Et certains, les plus gros gamers d'entre vous, sauront que, bah oui, parfois c'est bien de se connecter avec des serveurs comme ça et tout, voilà. Je vous expliquerai pas pourquoi, vous mettrez ça plutôt en commentaire. Le streaming, qui est quasiment une des parties les plus importantes pour lesquelles il faudrait que vous ayez un VPN, c'est à cause de la chronologie des médias. En France, on a le catalogue le pire de la planète. Ça veut dire que nous, avant que ça sorte au cinéma, il faut attendre vachement longtemps. Eux vous proposent directement des serveurs qui sont, encore une fois, dédiés. Puisque c'est un peu le jeu de chat à la souris. Des fois, on dit, oui, mais je me connecte, mais là, Netflix, ils ont dit que... Ou je sais, par exemple, c'est en France, vous avez un truc pour regarder la télé. Et là, par Molotov, je crois. Molotov, bah, des fois, après, ils disent, non, mais maintenant, vous avez un VPN. Donc voilà, ils arrivent à savoir un petit peu, parce que... Vous êtes plusieurs à vous connecter en même temps. Et ils arrivent à le savoir. Donc, c'est un peu le jeu de la souris. Donc, il y a des serveurs qui sont vraiment dédiés à ça. Notamment, voilà, YouTube, les télés comme HBO, Disney. Mais on verra que, par exemple, tu n'en as pas besoin. Parce que moi, par exemple, là, regardez, je suis connecté sur la France. Donc, je me connecte sur mon Netflix. Netflix France, tout ça. Voilà, bien évidemment. Parce que alors, maintenant, j'ai vraiment un abonnement. Parce que j'étais obligé. Ici, on va mettre, par exemple, je veux regarder Hitman. J'ai entendu parler, j'ai vu la vidéo de Méa, j'ai dit, oh là, il y a le nouveau Hitman sur Netflix qui vient de sortir et tout, une comédie plutôt sympa que j'ai regardé avant-hier, qui est très sympa en plus, voilà. Je regarde sur Hitman et là, je me rends compte bah, qu'il n'y a pas, voilà, le truc dont il parle, il y a pas mal de choses intéressantes, mais il n'y a pas le Hitman que je voudrais. Puisque pour ça, il faut aller dans All Location, de se connecter aux États-Unis. Puisque apparemment, si tu as la même chose avec un serveur aux États-Unis, eh ben, ça va fonctionner. Donc là, on s'est mis aux États-Unis. Donc là, pas de problème. On rafraîchit la page Netflix. Donc là, vous voyez, j'ai rien piraté du tout. Hein. J'ai payé toujours mon abonnement Netflix comme un gars bien. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas du tout le même contenu. Il y a du contenu en plus, notamment ce nouveau Hitman, comédie comme ça et tout. En plus, il est en français. Ce qui est quand même tout mal. Il arrive en français. Et sur Netflix France, il arrivera bientôt. Mais voilà. Et là, bah, il suffit de cliquer. Encore une fois, donc là, on peut enlever le son. Mais il suffira de cliquer et tu peux regarder directement bah, Hitman en français avant tout le monde. Bim! Alors là, tu auras vu directement dans les onglets, qu'est-ce qu'on a? On a All Location, For Gaming, là, voilà. On en... et surtout, les protocoles. Partage de fichiers avec ta grand-mère, tu fais comme tu veux pour les partager. On a également les protocoles et une des promesses de XVPN, c'est d'avoir 14 protocoles, dont Everest, que je ne connaissais pas. Allez, si on prend directement sur leur site, mais qu'est-ce que donc Everest? Everest est un protocole VPN privé qui utilise le plus haut niveau de technologie de chiffrement AES de 56 bits, comme tous les serveurs en même temps, hein, okay, de l'industrie, et est équipé de différents protocoles de transmission, y compris UDP, TCP, HTTP, TLS, et de plus, Everest Protocol obfuscate et dissimule l'ensemble des protocoles, le rendant, voilà. Donc en gros, c'est un mix de tous les protocoles. Parce qu'au lieu de choisir, alors soit tu peux choisir, hein, un par un, soit tu peux dire, je mets le protocole Everest, et là, dans ce cas, c'est lui qui va gérer un peu tout ça et tout. Ah, c'est quand même plutôt pas mal. Quand on regarde dans la liste, comme ça, sur leur site, moi, je suis allé voir un peu en bas, donc là, le protocole, OpenVPN, L2TP, WireGuard, encore une fois, depuis la Chine, moi, j'aime bien. Alors moi, ça marche très, très bien quand je me connecte au Vietnam, mais par exemple, des fois, quand je mets ici, on va mettre, par exemple, voilà, ok, j'en mets rechercher, Vietnam. Quand on voit le Vietnam avec d'autres VPN, il n'y a que un voire deux serveurs, et des fois quand il y en a un qui est bloqué, il faut attendre et tout. Donc voilà, là l'intérêt c'est qu'il y en a 5. Par exemple, je vais me connecter depuis le Vietnam, je vais me connecter au Vietnam pour avoir une connexion. On a accès à tous les protocoles, encore une fois ici. Alors le WireGuard marchait très très bien apparemment, mais le mode auto marche mieux. Enfin, il marche pareil. Donc, je me dis que c'est quand même pas mal. Ici, on peut choisir directement tous les protocoles. Voilà, un par un. UDP, TCP, TLS, HTTP, FDP. Je vais dire FDP. FTP. SMTP. OSEF. Voilà, tous les protocoles. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Si vous voulez aller plus loin dans les réglages, il y a également un onglet... adresse, configuration et tout, où tu peux aller encore plus loin dans les réglages si tu veux y aller. Quand on va dans Feature, tu as un onglet également Startup, un onglet Menu Only Mode, le Kill Switch. Alors le Kill Switch, en fait, c'est quand tu l'actives, si jamais le serveur venait à se déconnecter, parce que ça arrive de temps en temps, donc du coup, si le serveur se déconnecte, il va repasser sur sa connexion Internet, le Kill Switch va bloquer ta connexion Internet en disant, non, tu n'es plus sous VPN, t'as pas Internet, donc tu vas aller, tu vois, j'ai pas Internet. Parce que le kill switch est mis en route si c'est déconnecté. Donc tu revas sur l'application, tu regardes s'il est bien connecté ou pas. S'il n'est pas connecté, tu te connectes ou tu te reconnectes à un autre. Et là, du coup, ton internet reprend.
ça évite de naviguer en disant oh, je suis protégé machin et en fait tu l'es pas. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Et enfin, quand tu vas dans Security Tool, tu peux également adresse IP checker, DNS leak test. Ouais, tu peux tester pas mal de trucs au niveau de ta configuration et tu verras que c'est pas fameux. J'ai essayé de cliquer deux trois trucs. Dit ça, c'est pas bon. Ça, c'est... Voilà, bon, encore une fois, ça c'est un autre dossier. Alors, tu es en train de te dire, ouais, c'est trop bien ton truc, mais je peux l'installer où? Alors, tu peux l'installer un peu partout. Parler de sur. Tu peux l'installer sur Windows, sur Mac, sur iOS, sur Android, sur Chrome OS. Une des particularités, c'est que tu peux également l'installer sur Apple TV pour ceux qui en auraient. Tu peux également l'installer sur les Fire Stick, les Android TV, pour les jeux vidéo, mais évidemment, les routeurs. C'est mon cas actuellement hein, en Asie, en plus d'une passerelle dans un autre pays, tout ça. Enfin voilà, je suis très VPN moi. Et VPN pour Linux, tu vas pouvoir l'installer sur tous tes devices sans souci. Et là, je suis en train de dire combien pour le VPN pour regarder Hitman. Voilà, encore vu. Il est bien, hein, j'ai bien kiffé. C'est un bon moment, petite comédie, truc, voilà. Et pas... Voilà, c'était bien. Voilà. Je vous laisserai regarder si vous avez un VPN de. Dessus. Bon, 30 jours money back, ça veut dire que si vous prenez un abonnement que pour 30 jours, vous l'essayez, ça vous coûte 11,99$. Et là, au bout de 30 jours, si vous rendez compte que c'est nul et que ça vous convient pas et que GLG l'a menti, faut pas sur quoi, mais bon, voilà. Non, tu partages pas les fichiers avec ta grand-mère, c'est vrai. tu peux payer 11,99$. Si tu prends un abonnement pour 5 mois, ça te coûtera que 9,99$. Ok, donc 15% de remise. 16% même. Et si tu prends pour un an, donc là ça ne te coûtera que 5,99$, soit 50% de remise. Bon, 6$ c'est pas mal. Alors tu es obligé de payer en dollars et tout. Il y avait un truc qui était assez intéressant quand je suis allé voir un petit peu en bas. Hop là, voilà. Quand tu veux sur cliquer paiement, carte de crédit, PayPal, crypto-monnaie ou autre méthode, IDH, Short, VPN. Alors pour ceux qui voudraient vraiment, vous pouvez payer par PayPal. Bon, alors du coup, est-ce que c'est le VPN de l'année? Et on se rend bien compte que, vu que. Mange à tous les râteliers, certains diront, j'utilise quasiment beaucoup. J'en utilise 5. C'est mon 5e VPN que j'utilise simultanément, donc ça permet vraiment de les comparer. On voit vraiment que chaque VPN a vraiment une utilisation différente. Que ça soit, pourtant, on a testé quand même pas mal, dont un qui m'est offert avec ma carte Revolut en plus, tu vois. Donc, ça permet vraiment de les comparer et de se voir que, bah, ils sont pas tous logés à la même enseigne. Ils font pas tous la même chose. Et on pourrait se dire, eh, celui-là, il est quand même plutôt pas mal si c'est pour du jeu, de la télé. Et de connecter depuis l'étranger, eh ben c'est quand même plutôt pas mal. Bon allez, tu me mets tout ça en commentaire. Tu n'oublies pas de mettre XVPN dans le commentaire. Si je connaissais XVPN, je connaissais pas. Ah c'est trop bien. Ah les protocoles, c'est vraiment un plus. Ah j'ai bien aimé les serveurs pour les jeux vidéo ou les serveurs pour la télé ou je vais juste regarder Hitman grâce à XVPN. Tu mets le commentaire que tu veux. L'important c'est de mettre XVPN pour participer au giveaway. Comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Ça c'est quand même un petit peu toi qui vois. Tous les pouces sont permis. Va fais-toi plaisir. Et ça sera tout pour cette petite vidéo. Je suis assez content de vous présenter ce VPN puisque que ça, je pense que beaucoup ont cliqué encore un VPN et de regarder la vidéo de se dire ah celui-là c'est pas comme les autres, c'est pas comme ce que j'ai déjà vu. Vous voyez, c'est différent et c'est ça qui fait plaisir de vous présenter un peu des produits comme ça et tout. Moi je suis content de l'avoir pour moi et je me dis que ça peut valoir pour toi. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir, ça me fait plaisir. C'est à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez couverts, restez protégés. Regardez la télé, jouez autant que vous pouvez. On arrive aujourd'hui. Allez, forcément, je vous kiffe. À bientôt. Bye bye.